Madame, bonjour. Bienvenue. Il y a un petit truc pour poser votre parapluie, okay. Si vous voulez. Merci beaucoup. Je regarde le foot. Italie-Suède, 2:00. Et donc, depuis quelques semaines et quelques mois, je ne travaille plus. Je regarde le tennis, le foot, bientôt Tour de France. Et ça me plaît beaucoup. Oui, à condition que les athlètes ne soient pas dopés. Vous serez intéressé par un poster. Un poster, oui. Je vais manger ce soir. Non, mais c'est ça. Laquelle, s'il vous plaît? Le super crétin. Le super crétin. Génial. Je vais avec plaisir faire une dédicace. Oui. Et je vous donne les infos. Super. C'est le plus intense travail que j'ai jamais fait de ma vie, ça. C'était pour une exposition communale en ville en 2005. Et vraiment, j'avais oublié. Non, c'est vous l'avez fait collage. En 2000 novembre, décembre, la date. Il y a un monsieur très blanc en bas, oui. Avec la pancarte. Oui. C'est moi. Et je tiens le titre et la date. D'accord, heureusement, comme ça, parce que j'étais nu. Non, même ça. C'était dans le dernier week-end de travail, j'ai dit, ok, comment signer un collage? Parce qu'avant, je n'avais pas signé ça, le premier. Et dans le deuxième, j'ai dit, ah ouais, je vais me mettre dedans avec le titre là. Et 15 minutes plus tard, c'était fait. Et donc, c'était un travail vraiment intense comme ça. J'étais inspiré par une bande dessinée. Ça, c'est un de mes anciens patrons. Ça, c'est une ancienne copine. Ma sœur, ma mère, grand-père, beau-père, ancienne copine, mes deux nièces. Donc, ah oui, je m'amuse beaucoup. Oui, je veux bien le croire. Oui. Et je vais faire une dédicace. Je vous donne les infos avec. D'accord. Bien. Merci. Parfait. Bisous. Super. Toujours 0-0. Bah oui. Mais ils ont arrêté de jouer parce que j'étais en train de faire une dédicace. Voilà. Ça, c'est toujours le plus populaire de tout mon travail en poster. Et à l'époque, le plus long tableau, environ 400 heures de travail là, avec une nouvelle technique de peinture, un mélange de l'huile et encre. Et après 2 mois, 10 semaines de travail, j'ai gratté avec une aiguille pour les lignes très fines. Mmh. Mais en 2003, je suis devenu politiquement engagé. Donc c'était ma dernière grande période de paysage fantastique. Mais je suis heureux que j'ai passé par là pour apprendre toujours en technique, peinture. Et donc, depuis 15 ans, presque tout mon travail a un sens environnemental, politique ou spirituel. Et je ne fais plus des paysages fantastiques. Surtout quand j'ai arrêté de boire, j'étais accro à l'alcool, socialement, depuis toute ma vie. Et j'ai arrêté de boire il y a 14 ans et quelques mois. Je n'ai pas bu une goutte depuis 14 ans. Et mon travail m'a sauvé, pas ma famille, ni mes proches, c'était mon travail, et moi-même. Ah oui. Mais déjà, cette pièce était devenue mon atelier. Et je ne sors plus, j'ai balancé ma vie sociale quand j'ai arrêté de boire, et ça c'était dur. Mais pour moi, j'ai pris la bonne décision, et j'ai gagné beaucoup mieux ma vie. Je suis même imposable. Eh oui, et ça c'est pas bon, mais je suis... J'aime bien déclarer toutes mes recettes parce que je suis fier que j'ai gagné assez pour vivre. Mais cette année, c'est dur parce qu'avec avec ce temps comme ça, avec le monde en crise partout, je comprends. Mais c'était ma décision de devenir peintre et donc j'assume mes responsabilités. Donc si un jour je ne peux plus continuer, c'est pas grave parce que j'ai déjà fait ça. Non, il faut regarder toujours, pas que l'avenir, il faut déjà dire, j'ai déjà fait ça. J'ai fait ça. Et je suis déjà un succès par mon travail. Mm-hmm.
Donc l'argent, c'est juste un outil pour se vivre. Donc si je n'arrive pas à manger, c'est pas grave, j'ai vécu. Voilà. Et la clé, mon travail en peinture, c'est qu'on est déjà rentré dans une renaissance spirituelle avec des infos, avec des évidences scientifiques. Et donc ça, c'est ma raison d'être, de communiquer une idée, un nouvel modèle qui explique notre univers en termes de conscience universelle. Et énormément, pas que des évidences scientifiques, mais des preuves que depuis le Big Bang, rien n'arrive par hasard. Il y a une conscience derrière tout qui existe. Et l'être humain, on est là pour apprendre simplement. Et on est devenu trop ancré dans la matière, dans le matérialisme, depuis longtemps. Et le seul problème à régler, pour moi, mon opinion, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est la fausse identité de l'être humain. Et ça, c'est pourquoi on est... J'adore cet ordinateur. C'est à moi. et mon pouvoir. Oui, tout est lié avec l'égoïsme. Et donc, on va régler nos problèmes. Parce que c'est le moment maintenant. On comprend qu'on ne peut pas continuer dans ce système, dans cette direction. Et on est manipulé par les gens politiques. Dans un système qui s'appelle le groupe Bilderberg, que j'ai critiqué depuis 13 ans. Et comme je dis, évidence scientifique, un exemple, l'expérience de la mort imminente. Des preuves maintenant que la conscience se vit la mort du corps. Et même des cas de réincarnation pris très au sérieux par des scientifiques. Et moi, j'accepte ça avec des évidences. Je n'ai pas une croyance que Dieu existe. Mais d'une base scientifique, j'accepte que notre univers n'est pas du tout un hasard. Voilà, j'ai fini. Mais je peux continuer si vous voulez.